bienvenue dans ce nouveau vlog consacré à la broderie traditionnelle et plus particulièrement à la formation que je suis actuellement avec Artesane qui s'appelle Parcours Formation Broderie avec Martine, quelque chose comme ça. Mais tous les liens, enfin le lien de la formation sera dans la description. Et ce n'est pas sponsorisé, c'est moi qui ai acheté la formation et qui ai envie d'échanger et de vous montrer un peu comment ça se passe parce que c'est cool, voilà. Et parce que ma famille en a marre d'être saoulée, que j'arrête pas de leur en parler. Mais bon, bref. Donc je m'appelle Sophie et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog, donc, où vous m'accompagnez pendant un mois et tous les 15 du mois, je mets la vidéo en ligne avec les projets, mes impressions et tout ça. J'ai un peu changé d'endroit parce que la lumière était pas terrible en fait, la lumière, le cadrage et tout, c'était pas terrible là où j'étais avant. Donc, je suis toujours dans ma chambre, mais ici à côté de mon lit, donc là, j'ai mon verre d'eau pour quand je dors la nuit, parce que c'est ma table de nuit juste là. Enfin bref, vous vous en fichez. Mais voilà, si vous avez vu mes anciennes vidéos, dites-moi si au niveau cadrage et lumière c'est mieux ou si vous préfériez avant. Donc, où est-ce qu'on en était? Eh bien, la fois passée, on était dans le thème, dans la formation est découpée en plusieurs morceaux. Et j'étais dans la leçon broder les motifs d'automne. Et il me restait un motif à broder. Le plus beau, le plus grand, le plus chouette. Et le voilà terminé. Et est-ce qu'il n'est pas absolument magnifique, ce petit, enfin ce gros hibou que je me suis brodé sur un sweatshirt? Ah, c'est de toute beauté. Alors, donc je vous disais à la base, donc j'ai du papier hydrosoluble que j'avais acheté chez Veritas il y a quelques années, ouais, un an ou deux, mais qui ne colle pas. Et là, j'ai décidé d'utiliser du Solufix plutôt pour bien le coller, ce motif, à mon sweatshirt. Et je regrette pas parce que c'était quand même beaucoup de travail et ça aurait été quand même dommage que la chouette, le hibou, soit de traviole. Donc je garde mon papier hydrosoluble pour les plus petits motifs. Et donc le Solufix, bah, très très bien. Alors juste que ça, l'aiguille, elle colle à la fin, je trouve. Mais bon, soit. Alors, on a surtout utilisé du point de feston pour les plumes. Je vous avoue que c'était long. Mais je suis très contente parce que moi, avant le point de feston, j'avais toujours des petits soucis, comme vous voyez ici, peut-être, s'il veut bien faire le point. Où en fait, on voit le fil qui dépasse en dessous. C'est très subtil. Mais bon, voilà. Avant, j'avais ça constamment, tandis que là, j'ai juste ça ici. Alors, il y a des plumes qui sont moins bien faites que d'autres, mais l'un dans l'autre... ça cartonne, voilà. Donc on commence par les points de feston, puis il y a du point de tige un peu partout, il y a du point de rode, du point lancé. C'était trop bien. Et là, du point de tige et du point de reprise. Oui, parce que j'adore le point de reprise. Voilà. C'était trop bien. Je ne l'ai pas encore essayé. Je le saurai tantôt. Mais je suis trop trop contente. J'ai utilisé en fait ce que je trouvais génial, c'était que j'ai utilisé des couleurs un peu similaires à ce qui était proposé dans le cours. Alors elle donnait pas de référence de fil exactement, mais enfin il y avait la photo, j'ai regardé un peu avec mes fils ce qui pourrait correspondre et puis voilà. Donc ouais, c'était un peu long, mais franchement ça vaut la peine. C'est trop trop beau. Donc voilà, j'ai terminé les motifs d'automne. Alors, ouais, le sweatshirt, je crois que c'était pendant mon point de tige, j'ai tordu une aiguille à force de vouloir faire les choses. Voilà. Bon. Normalement, pourtant, un sweatshirt, ça glisse bien, mais soit. Voilà, motif d'automne terminé et on passe à la broderie hivernale. Donc en fait... les broderies de saison, il y a moyen de les acheter à part, le pack printemps, été, hiver, etc. Il y a quand même une progression de difficultés, je trouve. Et alors, parfois, par exemple, en automne, elle fait référence à des choses qu'on a déjà vues en été.
Donc voilà, après à vous de voir si vous avez envie d'acheter que l'automne ou ce genre de choses. On comprend, hein, il n'y a pas de problème, mais voilà, moi je suis contente de suivre la progression. Et donc on est passé à l'hiver. Alors autant l'automne, je l'aurais acheté rien que pour les motifs. L'hiver, les motifs me plaisaient pas. Et donc, par exemple, pour les broder sur des vêtements, non. C'est sur les thèmes des étoiles, de la lune, il y a un alphabet, etc. Donc les motifs ne me plaisaient pas, et je me suis dit, ben voilà, pour suivre le cours, je vais le broder, comme avec mes nageuses en été, sur un vieux drap. Et donc j'ai déjà brodé le premier motif, et comme pour les nageuses, je suis vachement contente de l'avoir fait, parce que c'est trop trop beau finalement quand c'est brodé. Voilà, alors toujours pas sur un vêtement, mais franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Moi j'adore ça. Donc on a utilisé du point de chaînette, du point de tige et du point arrière pour les rayons du soleil ici, et franchement c'est trop beau, trop beau. En plus, en fait si vous voulez, j'ai des fils d'Atali, donc je sais pas si vous connaissez, c'est du fil teint à la main, que j'ai un peu de mal à utiliser dans mes projets parce que c'est un peu varié, j'ai du mal à gérer la variation, en fait, là, je trouve que je l'ai bien géré et je trouve que c'est très très beau. Donc, c'est vraiment un gros plaisir de les utiliser. Je vais continuer à les utiliser pour les exercices. Tant pis, c'est pas grave. Parce que c'est magnifique. Donc, voilà, ça c'était le premier motif. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le broder. Il est magnifique. Tout est bien expliqué. Alors, ici, en fait, je suis pas une très très bonne élève parce qu'elle explique que. Ce qui est important, c'est de bien décalquer la broderie et surtout au niveau des cercles. Et il faut un espèce de truc en plastique avec des cercles prédécoupés, on va dire. Ce qui permet comment c'est? C'est un peu un pochoir avec de différentes tailles de cercles. Et je ne l'ai toujours pas acheté. Et on est le 17 octobre. Donc ça fait un mois et demi que j'ai commencé la formation. Je ne l'ai toujours pas acheté, mais je vous promets que je vais finir par l'acheter. Alors, juste au niveau de ces motifs-là, il y a un truc que je comprends pas. En fait, donc au début de la formation, j'ai imprimé tous les PDF, sans me poser de questions. Et elle montre les motifs à décalquer, qui sont sur. Que parfois il faut assembler parce que c'est des gros motifs, etc. Moi j'ai pas trouvé ça dans ma formation, peut-être que j'ai mal cherché, peut-être que entre le moment où ils ont tourné et le moment où ils ont comment dire, où ils ont mis la formation en ligne, peut-être qu'ils avaient un peu changé d'avis. Moi j'ai tous les motifs sur une feuille. Attendez. Pour une fois j'ai pris ma farde. Vous voyez par exemple. J'ai tous les motifs sur une feuille comme ça. Et alors, elle propose des compositions. Et donc, je les ai comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y avait un autre PDF en plus avec les compositions, mais en plus gros. Et finalement, comme je n'ai pas trouvé, j'ai décidé de décalquer ces compositions ici. Mais elles sont peut-être trop petites, par exemple. Enfin, c'est juste un exemple pour expliquer. Parce que par exemple, ouais, regardez, celui-ci en composition, et ben sur les motifs à décalquer, il est plus gros. Regardez, on voit quand même la différence, hein. Mais j'ai décalqué celui-ci parce que la composition était déjà, parce qu'en fait non, c'est le même. J'aurais dû décalquer là. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, je les ai tous décalqués, sauf le dernier. Que là je vais faire en projet, mais ça je vous montrerai à la fin. Le prochain que je vais broder aujourd'hui, c'est celui-ci. On a des petits nuages. Hop. Oui, une étoile filante. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois avec l'alphabet, on va faire un peu autre chose. Peut-être que lui, du coup, je vais le redécalquer en plus grand. Je sais pas encore. Et celui-ci. Et le dernier, bah, je vous le montrerai après.
Donc là, j'ai du boulot, je vais essayer d'en faire un par jour. On verra. En fait, c'est parce que le dernier motif, je veux l'offrir à. Je veux broder sur un joli tissu, l'encadrer et l'offrir à mon frère et sa compagne qui vont bientôt être parents. Et c'est très bientôt. Du coup, il faut que j'en fasse, que je me dépêche de faire cela avant de commencer le gros pour pouvoir leur offrir. Mais voilà, il va falloir que je carbure un petit peu. Enfin, c'est vraiment des petits motifs, hein. Ça va le faire. Voilà, comme ça, vous savez quoi? Je vous retrouve tout bientôt pour la suite. Je pense que je vais attendre d'avoir brodé tout cela et je vous les montrerai tous d'un coup. Donc, à mon avis, début de semaine prochaine. Bon, bah à tout de suite! On est le vendredi 26 octobre, je crois, ou 25, dans ces eaux-là. Et j'ai vachement bien avancé sur mes projets hivernaux, puisque j'ai fait tous les petits projets. J'ai décalqué le grand et je vais bientôt m'y mettre. Donc, je vais vous parler des petits projets. Alors, le premier, c'était celui-ci, je crois. Belle étoile. Alors, il est super joli. D'habitude, je mets le téléphone dans l'autre sens, donc je suis un peu perdue dans la manière dont je place mes affaires, mais ça va aller. Donc, on a utilisé un alphabet avec du point de chaînette et du point de tige. Le soleil, il est trop beau. En fait, c'est rigolo parce que c'est encore une fois des motifs qui, sur le papier, me plaisent pas plus que ça, mais alors quand ils sont brodés, ils sont absolument magnifiques. Et j'ai utilisé des fils d'Atali, je crois, qui sont teintés main et donc un peu nuancés, et ça donne trop trop bien. Hop, donc ça c'est celui-ci que je me suis vraiment éclatée à le faire. Il était un peu long, mais ça a été. Ensuite, on a eu, non ça c'est les trois derniers, je les mets là. On a eu celui-ci, je crois, qui est tout simple mais qui pète. Parce qu'en fait, là, on a refait le même alphabet avec du point de chaînette, mais rebrodé avec du point arrière. Super joli. Et une petite lune avec du point de reprise. Ça donne encore une fois super bien. Et le troisième, celui-ci. Bonjour. Et là, c'est rebrodé aussi, le point là, mais avec le même fil, la même couleur cette fois-ci. C'est pas nuancé. Contrairement à celui-ci. Et alors, la petite main, là, elle est trop belle, hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des petites étoiles. J'ai beaucoup aimé celui-là. C'est un de mes préférés. Franchement, l'éventail, là, il est. Je ne sais pas si c'est un éventail ou une baguette magique, mais je le trouve très très fin, très joli. Ensuite, on est passé sur un qui m'a donné un peu de difficulté. C'est aussi avec une main. Mais en fait, les étoiles sont faites avec des points de feston et je crois que j'ai pas été assez franche. Ils sont à trop court mes points de feston, ce qui fait que voilà, on voit des étoiles, mais sur les broderies de Martine, elles sont beaucoup plus remplies. Mais sinon, ça s'est bien passé. C'était beau. Pareil, l'éventail, super. Donc là, voilà, encore une fois, je ne sais pas si j'ai brodé. Là, je pense que j'ai la bonne. Je vous expliquais que il me semble que j'ai des PDF que j'ai pas trouvé parce que là je dois avoir sans doute la bonne taille, celle qui était recommandée, et là non. Mais je préfère celle-ci finalement, je préfère quand c'était plus petit. Après elle explique qu'on peut toujours réduire à l'impression, réduire ou agrandir les motifs pour si on a des contraintes d'un point de vue, si on veut le mettre sur un pull ou ce genre de choses. Enfin, elle explique tout on peut pas réduire à fond et augmenter à fond, non, l'inverse, réduire à fond et augmenter à fond. Et ça, elle explique bien comment on peut faire. Ensuite, on est passé sur celui-ci qui est super joli, avec une petite particularité, puisque donc le point de chaînette a été rebrodé mais avec des perles. Alors,
Les perles sont beaucoup trop grosses ici. Normalement, en plus, il fallait le faire partout, mais bon. Parce que j'ai pris des perles de ma fille, j'ai pas investi dans des perles Miyuki. Un jour peut-être, parce que à la base, c'était pas quelque chose par lequel j'étais attirée, les perles, mais une fois que c'est fait, c'est quand même assez joli. Donc là, c'est dommage qu'elles soient un peu trop grosses. Et puis, si un jour je tombe sur des perles Miyuki, peut-être que du bon diamètre. Et je crois qu'elle dit que c'est du diamètre 11 qu'il faut prendre. Moi, je sais pas. Honnêtement, j'ai pris des perles qui étaient à ma fille. Et je pense que je vais peut-être m'amuser à faire avec des plus petites perles, peut-être. Mais enfin, j'ai appris comment les placer. Et ça, c'est cool parce que je n'avais jamais fait ça. Et enfin, le dernier. Hop, ces petits nuages avec. Ben, je vous montre l'arrière. Mais mon arrière est joli, hein. Voilà. Les petits nuages, point d'étoile, point de rhode et toujours le même alphabet. Alors, normalement, là aussi, il fallait mettre des perles, mais bon. Vu qu'elles étaient trop grosses, je n'avais pas envie de continuer. Et ici, donc, je viens de décalquer le dernier motif qui est, hop, celui-ci. Nuit étoilée, parce que mon neveu vient de naître. Donc, il faut absolument que je le brode rapidement pour pouvoir envoyer le colis avec tous les cadeaux. Je vois ici que j'ai des plis. Donc, ne pas traîner. Alors, il va falloir que je fasse attention parce que, en fait, j'ai eu un peu des misères quand j'ai voulu mettre le Solufix parce qu'en fait, il s'est replié sur lui-même. Donc, il a collé sur lui-même. Et ici, en fait, je vois que j'ai des plis. Donc, ça va se voir à la fin. Donc, quand je vais couper la vidéo, je vais revoir ça. J'ai pas encore choisi les couleurs. Donc ici, j'avais une cotonnade bleu foncé et je trouvais que c'était parfait. Donc je vais prendre des couleurs argentées, dorées. Et en fait, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais voilà, je sais que ma belle-sœur, elle aime beaucoup la lune et je sais que mon frère, il aime beaucoup les étoiles. Donc, ben, ce sera parfait, je pense. J'espère que ça leur plaira. Donc, je vais essayer de rectifier le tir. J'ai déjà visionné la vidéo. Ça me semble, ça va être un peu long à faire, mais moins que la chouette finalement, moins que le hibou, je pense. Et puis ça va être chouette, ça va être cool, ça va être beau. Je me suis acheté un tambour. Après, je vais le mettre dans un joli tambour et je vais faire les finitions à l'arrière avec de la feutrine. J'ai acheté de la colle textile et tout pour essayer d'en faire quelque chose de vraiment chouette pour mon joli neveu, tout neuf. Et voilà. Donc je vais faire ça et puis je reviens vous voir dès que je l'ai terminé. Et puis on parlera ensuite de la. Je vais enfin après apprendre à faire sur des tissus mailles. Ça fait trois vlogs que je vous dis que je vais les faire, mais normalement j'y suis presque. Allez, à bientôt!
broderie pour mon neveu, qui était donc le dernier motif de l'hiver du cours. Et la voilà terminée. Et je ne suis pas peu fière parce que derrière, pour la première fois de ma vie, voilà, j'ai collé un rond de feutrine. C'est pas parfait, mais bon, c'est la première fois et je trouve que ça donne relativement bien. Alors, ce motif était très long, mais très intéressant. Il y a juste, je m'en suis rendu compte ce matin, ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai cafouillé mon pointe-tige. Franchement, je ne l'ai pas vu pendant la broderie. Ce qui est embêtant, et alors, comme c'était quand même un assez gros morceau, quand je pense que j'ai mal collé le solufix, et on voit qu'il y a des plis ici. Hop, ça fait artisanal. Je pense que mon frère et sa femme ne m'en tiendront pas rigueur, mais puis bon, ça pète quand même. C'est un beau motif. J'ai adoré faire l'étoile ici. C'est avec des points lancés et j'ai trouvé ça très sympa. Le point de reprise en fait a été assez long dans les lunes. Et puis là, du point de tige. Mais à part ce cafouillage, franchement, je trouve que j'ai vachement progressé en point de tige. Voilà. Et en plus, ici, j'ai utilisé du fil pailleté de chez DMC, du moulinet étoile, qui est plus facile que le fil métallisé, mais moins facile que le moulinet classique. Un jour, j'aimerais bien essayer les métallisés de haut vert à soie, ce qui paraît, ils sont géniaux. Mais pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Je vais pouvoir l'emballer et l'envoyer. Mais franchement, c'était sympa. Je suis très contente d'avoir utilisé cette toile de coton, j'ai depuis longtemps. Ah oui, et alors le solufix. Donc c'était la première fois que j'essaye que je... Non, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, le solufix. Bref, je vous en ai parlé, forcément. Oui, c'était pour mon sweatshirt. Et là, donc je l'ai utilisé pour ce motif. Et comme c'était pas un vêtement et que le tissu était accru... j'avais pas trop envie, j'avais déjà passé la machine à laver avant de broder, mais j'avais pas envie de le repasser à la machine à laver. Et du coup, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais essayer de le plonger dans l'eau et on verra. Et effectivement, à part une ou deux petites taches qui ne se voient pas, parce qu'il y en a une, elle est juste en dessous, là, du tambour, et sur d'autres... Enfin, c'était vraiment un gros morceau, donc sur le... Près du motif, il n'y a plus rien, et je pense que je l'aurais repassé encore une fois à l'eau, ça aurait été suffi, contrairement à la solution que j'utilisais avant. Mais qui est très bien pour les vêtements, hein, puisque ça passe en machine, l'autre solution. Donc voilà, très très contente. Et alors, j'ai enchaîné, hier, j'ai regardé la vidéo sur l'entoilage. C'est une vidéo très théorique, elle ne montre qu'un seul motif de broderie qui n'est pas dans le cours, qui est... c'est une écriture qui est en partenariat avec la marque M comme Marie, à l'époque où elle a sorti un body apparemment, avec c'était en partenariat, etc. Donc ça, je trouve c'est un peu dommage qu'on utilise dans le cours des motifs qu'on doit acheter à part, ce que je me refuse à faire. Enfin, pour l'instant, voilà, c'est dommage. C'était une vidéo très complète sur les. Il montre quatre façons d'entoiler des tissus qui sont fluides, qui sont difficiles, où c'est difficile de broder dessus de par leur nature. Soit ils sont fluides, soit ils sont pelucheux, soit ils sont élastiques, soit les trois à la fois. Bref, c'était très très intéressant. La prof Martine va très très vite par contre dans ce cours. Alors elle dit d'elle-même que c'est la fin de sa journée apparemment et que voilà, elle essaie de donner le plus d'infos possible. Donc je pense que je le revisionnerai une fois tranquillement. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et notamment, il y a à un moment donné, elle montre comment faire des appliqués avec de l'entoilage. Un entoilage spécial. Alors j'ai pas les noms, hein, c'est noté dans les cours. J'ai un PDF avec un résumé de tout. Ça c'est vachement bien. Et puis il y avait la vidéo explicative. Donc j'ai noté 2-3 choses des infos qui étaient dans la vidéo et que je n'ai pas trouvé sur le PDF. Mais alors ouais, donc quand elle a montré cette solution là, c'était rigolo parce qu'elle dit, je suis sûre que dans votre tête ça se bouscule parce qu'il y a plein de, vous avez plein d'idées et c'était vraiment ça. J'étais fait, oh, attends, on peut faire ça?
Mais attends, mais alors ça change tout. Enfin bref, c'était rigolo. J'avais l'impression qu'elle lisait dans ma tête. Bon, voilà. Et alors, donc dans ce cours, il est noté, donc j'en suis au moment donc des tissus en toilage, et il faut, mon devoir, c'est de broder un ou deux motifs d'une planche PDF qu'ils nous ont donnée. Mais là, il n'y a pas d'explication sur ces motifs. C'est de tout petits motifs. Le but, c'est de le faire sur un tissu très stretch. Donc, je vais faire ça. Je vais commencer mardi, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. Voilà. Dimanche 2 ou 3 novembre. Mais ça ne vous intéresse pas. Ouais, il n'y a pas d'explication. Alors, bon, bah, je pense que je vais faire avec les motifs que je connais. J'improviserai. C'est bien aussi hein, de se lâcher et de jouer par soi-même avec les points et les couleurs. Franchement, depuis que je me suis un peu lâchée au niveau des couleurs, je me fais beaucoup plus confiance. Donc avec les points aussi, ça va venir. Mais bon, c'est dommage que voilà, vous devez broder, mais ou alors que ce soit dit, voilà, vous êtes capable maintenant d'utiliser les points et enfin qu'on cherche pas pendant des heures après les explications. Voilà, c'est tout. Donc je vais chercher un peu, je vais décider un peu quel motif je vais faire. Il y en a une douzaine, je crois. Et c'est pas des motifs qui me plaisent particulièrement, donc je vais pas. Et je suis très motivée pour continuer les autres vidéos, donc enfin la suite de la formation. Donc je vais faire comme c'est noté, je vais faire deux motifs. L'important c'est de comprendre comment ça fonctionne, de faire ça, de broder quelque chose sur un tissu très élastique. Et une fois que j'aurai compris ça, c'est bon. Voilà, je vous laisse là. À bientôt. Je vous reprends vite fait pour vous dire que j'avais envoyé le colis pour mon frère avec notamment la broderie d'hiver et apparemment ma belle-sœur est tombée sous le charme et elle l'a déjà accroché à son mur. Donc voilà, je suis très fière. Je suis un peu essoufflée parce que je viens de monter tous les escaliers, mais j'avais envie de vous parler, de vous partager ma fierté d'avoir offert une de mes broderies et que ça a beaucoup plu. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Bisous bisous, à bientôt! Salut, on est le jeudi 7 novembre et j'ai brodé les motifs pour le cours entoilage, enfin comment dire, le cours sur les entoilages pour les tissus mailles. Donc je vous avais dit qu'il y avait une douzaine de motifs, je me suis trompée, il n'y en avait que 8. J'avais prévu d'en choisir un ou deux. Ben, j'en ai choisi 6 parce que je suis comme ça. Donc je l'ai brodé sur un t-shirt que je dors, que j'utilise. Comme pyjama, donc vous voyez qui est très très extensible, enfin qui est extensible. Et j'ai utilisé du Solufix et je trouve que le résultat est plutôt sympa, à part ici. Je trouve que peut-être que mes points sont un peu trop longs pour du tissu jersey, mais sinon pour tout le reste, je trouve plutôt sympa. Je me suis bien amusée avec les couleurs, c'est moi qui ai choisi les couleurs et les points. Je trouve que ça va bien ensemble. Je ne l'ai pas encore mis pour dormir. Ça ne serait. J'attendais de vous le montrer. Ouais, c'était très très cool. Ça a été extrêmement rapide. Franchement, en 2 soirs, les motifs étaient faits. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai commencé du rose ici, je l'ai rajouté là, puis là, puis là. Enfin, vous voyez, quand j'avais une couleur en route, j'allais sur plusieurs motifs en même temps. Et c'était cool. Ici, j'aurais peut-être dû faire une roue festonnée. J'y ai pensé qu'après. C'est dommage. Mais voilà, une petite leçon rapidement apprise et très intéressante. Je trouve que, ouais, à part cette glace où les points sont trop longs, sinon je m'en sors plutôt pas mal. Et donc, je suis passée sur la. En fait, la formation est découpée en 5 parties, je crois. Donc la première, c'était apprendre à broder avec Martine, avec les motifs d'été, d'automne, d'hiver. Je crois que c'est tout. Ensuite, il y a une partie sur les entoilages. Et puis là, je rentre dans la partie intermédiaire, on va dire, où c'est progresser en broderie avec Martine. Et chacun, enfin, j'ai regardé, il y a moyen d'acheter partie par partie, aussi on n'est pas obligé de prendre toute la formation. Donc j'ai commencé à regarder un peu cette troisième
parties. Et en fait, elle est composée de 5 projets qui sont assez costauds, mais bon, c'est cool. Et donc, j'ai commencé déjà le premier, qui est censé être un plastron sur feutrine. Alors moi, j'aime bien broder sur de la feutrine, donc ça, c'est cool. Mais un plastron, clairement, ça fait se présenter sur un, en fait, comme un gros collier, et clairement, je ne porterai pas ça. Donc, je garde... il y a 2 gros motifs, et ensuite, il y a 3 broches qui seront sur feutrinoserie. Donc, les broches, je les ferai sur feutrine. Mais sinon, j'ai trouvé 2 vêtements sur lesquels faire ces motifs. Donc là, je vais vous montrer un qui est en cours. Hop! Alors, c'est aussi un tissu extensible, donc j'espère que ça va aller, parce qu'il est encore plus extensible encore. Et surtout, j'ai pas utilisé du Solifix. J'ai repris mon... En fait, ça, c'est un carré où j'avais reporté le motif du hibou à la base. Et puis, du coup, j'ai passé le sèche-cheveux dessus. Ça s'est enlevé et je me suis dit, ben voilà, je vais le récupérer. Je vais le réutiliser ici. J'espère que ce n'est pas une mauvaise idée, mais on verra à la toute fin. Donc pour l'instant, on en est là. Et c'est trop, trop beau. Et j'adore parce qu'en fait, on apprend Pour l'instant, j'ai pas de nouveaux points appris, mais une autre manière de les utiliser. Notamment ici, ce remplissage qui est de toute beauté, c'est en point de tige. Et ça va très vite, mais c'est du point de tige. Enfin, c'est trop joli. J'ai jamais fait ça. Et là, c'est rigolo parce que vous voyez, il y a une différence d'épaisseur entre le point de tige du haut et celui du bas. Et il y a une technique pour ça. Enfin, en gros... Non, je ne vais pas vous le dire parce que je ne sais pas si je peux vous le dire. Mais c'est bien expliqué et ça donne trop bien. Donc chaque jour, je rajoute quelque chose. Et alors, il y a des points quand même que je ne vais pas faire. Notamment, normalement, sur le plastron, ici, on a des points de malte. Donc, c'est des espèces de petits pompons. Alors, ça donne bien sur le plastron, mais sur un vêtement, surtout en hauteur aussi parce que j'ai inversé le sens, ça ne le fera pas. Mais c'est pas grave parce que c'est un point qu'on va retrouver sur une broche, je crois. Donc, je pourrais m'entraîner dessus à ce moment-là. Et voilà, il y a des petits points de rode aussi en dessous, j'hésite à les... Ben là, vous les verrez peut-être pas, hein, ces petits ronds partout. J'hésite à les remplacer par des roues festonnées ou des points d'étoiles. Mais je me dis que roues festonnées, ça ferait peut-être bizarre. Parce que c'est un motif hyper classe. Et puis, j'ai choisi plus ou moins les mêmes couleurs qui étaient prévues. À part le... En fait, j'ai pas de fil au vert à soie, j'ai que des moulinets étoiles de chez DMC. Et j'ai pas 36 000 couleurs. Ça ne serait tardé, je vais en commander pour mon auto-calendrier de l'Avent juste aujourd'hui. Donc j'ai fait avec ce que j'avais et je trouve ça trop beau. Limite, je me demande même si c'est pas un peu trop classe, parce que moi je suis très t-shirt, jeans, et hop. Et donc, ouais, toutes ces couleurs se rendent très classe, surtout sur un gilet noir. Mais donc voilà, ce sera quand j'aurai envie d'être classe. Voilà, j'espère que ça va donner. J'ai trop hâte de continuer pour voir... pour voir à quoi ça va ressembler à la fin. Donc, à mon avis, j'en ai encore pour une semaine de broderie. Ce qui nous emmènera vers le 14. Et ce sera parfait pour clôturer le vlog d'ici là. J'adore. Donc, ouais, je vais vous retrouver avec ça terminé. Et ce sera déjà bien pour cette vidéo. Et j'apprends encore plein de choses. Donc, c'est trop chouette parce que... Parce que voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je dis n'importe quoi. Je vous dis à tout de suite avec ce projet terminé. Et j'espère que ça gondolera pas de partout parce que je me serais trompée de thermocollant d'entoilage. Le mercredi 13 novembre et je viens pour clôturer le vlog et pour vous montrer cette petite merveille. Est-ce que c'est pas trop beau? Donc j'ai utilisé un gilet du commerce que j'avais depuis longtemps et j'ai fait ça dans le dos et c'est trop 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 beau. Donc en plus je suis trop contente parce que ça
Même si j'ai pas utilisé de solu fixe, on voit à l'arrière que tout est, y a rien qui est grigné, tout est bien lisse. Et donc voilà ce que j'ai fait. Alors, je trouve que donc là, au niveau du passé plat, peut-être que ce tissu était un peu trop mou. Et en plus, ouais, il est bien extensible, donc j'ai géré, je suis contente. Mais bon, ça donne bien, surtout que c'est bien rattrapé par le pointe-tige qui est tout autour. On a le pointe-tige ici de remplissage qui est trop trop beau. Là, alors j'avoue, en fait, j'ai regardé toute la vidéo avant de broder. Et après, ben, je ne me souvenais plus très bien parfois ce que je devais faire. Donc, je vais pas faire la même erreur pour la prochaine, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il fallait faire du passé plat ici pour les pétales, mais j'ai utilisé des points lancés. Et alors, ici, j'hésitais à faire des points de rhode, des points d'étoile ou quoi. J'en ai parlé avec ma fille qui m'a dit non, on fait des points de rhode et je voulais les faire en blanc. Et il m'a dit non, en bordeaux. Donc, je lui ai dit ok, si tu veux, je fais en bordeaux et ça donne très très bien. Du coup, ça manque un peu de blanc, je trouve, mais le résultat est quand même vachement, vachement joli. Alors, je vais pas vous le... Il est très, très léger, donc je vais pas vous le mettre. Parce que pour l'instant, vous allez me voir pendant 4 mois avec mes pulls La Fuma qui sont censés être mis dehors, mais moi, je les mets à l'intérieur parce que j'ai froid. Donc, autant vous dire que ce gilet, il va sagement rentrer dans mon placard et il ressortira au printemps. Et il est vraiment très, 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 très classe. Alors, il sortira pas tout le temps, hein, puisque c'est pas tout à fait mon style de vêtement, mais ça peut être super sympa. Et alors, je suis contente parce que j'ai réussi à bien le centrer. Et donc voilà, c'est trop cool. C'est vraiment très joli. J'ai adoré faire le remplissage au pointe-tige là des feuilles. C'était trop cool. Voilà. Là aussi, pareil, ici, je sais plus ce que je devais faire pour le brun, là, vous voyez, entre les pétales. Du coup, bah, je fais du remplissage au pointe-tige. Parce que je trouvais ça joli. Et alors, c'est rigolo parce que les pétales ici, c'est la même technique que pour le centre, donc du passé plat et autour du pointe-tige, mais là, c'est la même couleur. Et là, c'est contrastant au milieu. Et je trouve que ben, le résultat est à chaque fois très très sympa. Donc le premier projet est fait. Et le deuxième projet, ben, j'ai commencé à regarder un peu la vidéo cette fois-ci. Mais j'ai pas tout regardé d'un coup, je vais regarder petit à petit à chaque fois que je vais avancer. Et donc à la base, c'est ce dessin. Et c'est censé être une pochette, mais moi je vais pas le. Je couds sur des choses, je brode sur des choses qui sont déjà cousues du commerce parce que j'ai pas envie de me taper de la couture voilà, pour fabriquer un objet. J'ai juste envie de broder et voilà. Et donc, soit on le fait en pochette comme ça, ou alors elle a expliqué. Elle le fait aussi sur une chemise et elle a pris les mêmes éléments, mais elle en a fait autre chose. Et en fait, par exemple, on a aussi tous les éléments qui sont comme ça, et après, et elle nous explique comment faire pour faire notre propre composition. Et vous voyez ici, donc j'ai déjà lu, enfin écouté les explications pour faire cette fleur-là, et c'était déjà assez costaud. Donc une fois que j'aurai fait cette fleur-là, et ses feuilles, parce que c'est la même chose ici, je verrai pour le reste. Mais donc voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais faire, parce que je vais broder. Sur cette chemise, je vais faire quelque chose de. Enfin, le décolleté est très très sexy. Hein. Je ne porte cette chemise que quand je veux sortir vraiment le grand jeu, c'est-à-dire pas en hiver, parce que c'est fait trop froid. Et alors, j'hésite à vraiment le faire à fond. Donc, je vais faire quelque chose de chaque côté du décolleté. Et je me demande si je ferais pas quelque chose d'asymétrique, avec le tigre d'un côté et les fleurs de l'autre. Mais ça, je vais regarder ça aujourd'hui, puis vous verrez ça dans le prochain vlog. Je pense que ça pourrait être assez sympa. En fait, je pense que je vais m'amuser à faire comme elle a fait, à découper, composer, décalquer, jusqu'à ce que je trouve le truc idéal. Voilà. Donc, ça, vous le verrez au vlog prochain. Donc, comme vous voyez, je suis toujours hyper satisfaite. Alors, je suis trop contente en plus parce que après ça.
Il restera 3 projets pour la partie que je suis en train de faire. Ce sont des broches. Alors finalement, il y a une des 3 broches. Je ne vais pas la faire parce que c'est rempli de perles. Et moi, j'aime pas du tout ça. Et puis j'ai vu que voilà, si on fait les 2 autres, je regarderai la vidéo, mais en termes de points, j'aurais tout vu avec les 2 autres broches. Et après, comment dire, je vais quand même voir la vidéo pour voir s'il y a des astuces que je dois connaître. Et alors, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va au montage des broches, on va utiliser le point de feston. Alors on voit beaucoup ça sur Instagram et ça m'intrigue beaucoup, des filles qui font des genres de doudous ou des décorations de Noël, suspensions à mettre dans le sapin, en feutrine, brodée, et qu'après elles mettent de la mousse dedans et elles cousent avec une autre feutrine et ça fait quelque chose en relief. Et c'est ça qu'on va utiliser pour les broches et je suis très contente parce que j'ai très envie de... C'était une technique qui m'intriguait beaucoup. Et d'autant plus que en fait, sur Artesan, ils ont aussi un cours avec des doudous brodés. Alors, j'ai pas trouvé le cours avec les explications. Par contre, ils offrent gratuitement les PDF avec les patrons des doudous et les broderies. Bon, d'après ce que j'ai compris, eux, c'est vraiment c'est prévu pour faire de la couture classique. Donc on brode et puis on met endroit sur endroit, on coud à la machine, on retourne, etc. Tandis que moi, j'aimerais bien du coup faire avec cette... Enfin, j'ai envie de faire ces doudous-là avec la technique du point de feston. Donc j'ai déjà imprimé les documents hier, mais bon, ce sera... Ouais, peut-être que je ferai de temps en temps un doudou, peut-être pendant les prochaines vacances ou ce genre de choses. Je sais pas encore trop. Mais en tout cas, vu que je vais voir la technique ici dans mon cours, je suis très joyeuse. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous retrouve pour dans 2 semaines pour le Flosstube Point de Croix. Et dans 1 mois pour la suite de mes aventures. Alors, où est-ce que ça nous mènera, je ne sais pas. À mon avis, durant le mois prochain, j'aurai terminé le cours progressé en broderie et peut-être que je serai déjà dans le cours devenez expert. On verra. J'en suis pas encore là. Mais en tout cas, je pense que ça se voit. J'ai hâte. Bye bye!